Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc je refais en fait un tirage par rapport à hier, notamment avec cette carte inversée, cette carte de la naissance. Donc voilà, donc elle peut être interprétée de plusieurs, on peut dire, façons, mais ce qu'on peut dire, c'est que à travers mon tirage d'hier, il y avait beaucoup de personnes qui étaient hors de contrôle, qui étaient dans la colère. Et une carte de naissance inversée, comme je vous l'avais dit, c'est des énergies, on peut dire, de mortalité ou de très grande transformation, ou c'est des énergies par rapport, on peut dire, à des projets naissants qui peuvent s'arrêter, ou on peut dire qu'il y a beaucoup de dualité en ce moment. Donc voilà, donc j'ai pris mon petit sac, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là dans une situation, bon bah écoutez, ça parle d'eau. Voilà, ça parle d'eau, c'est une baleine visiblement qui est inversée. Donc on peut dire que bon bah, on peut dire côté baleine, ou je veux dire sur le climat, je veux dire on a la tête à l'envers, ou je veux dire il y a des animaux marins, je sais pas, il y a un gros problème. Il y a des problèmes peut-être par rapport à des bactéries, c'est directement lié, on peut dire, à ce qui est naturel, à ce qui concerne l'eau, à ce qui concerne les batraciens, voilà, les animaux dans la mer, visiblement, bon, ça se passe pas très bien. Donc, c'est par rapport à eau, voilà, donc il faut prendre évidemment les prénoms et les noms, hein, ou on peut dire les noms qui correspondent, voilà, peut-être à des lieux, hein. Après, nous avons R, voilà, comme Reborn, par exemple. Et nous avons aussi A, mais un A qui est un peu spécial. Donc, c'est par rapport à des gens, peut-être, je sais pas, d'origine des pays du Nord, norvégienne, c'est ce que je sens. C'est par rapport à E, T, pardon, et c'est par rapport à E. Hein. Donc, ça fait E. Hein. Ok, voilà. Et donc là, visiblement, sur un cœur, on va se protéger. Bon, pour d'autres, vous avez des problèmes d'argent, je veux dire, la baleine étant inversée est symbole aussi de prospérité. Donc on va essayer de se protéger, hein, par rapport, on peut dire, à quelque chose, on peut dire, qui est très néfaste, hein, qui concerne. Soit des liquidités, soit des comptes en banque, soit ça concerne, on peut dire, la faune. Voilà, ça concerne des animaux, on peut dire, dans la mer. Hein, visiblement, ça ne va pas. Et nous avons aussi le petit D, hein, N, qui est assez loin. Hein, visiblement. Donc, on a peut-être jeté les dés dans une situation par rapport à une personne dont le nom ou le prénom commence par N, où vous avez N, on peut dire, dans votre nom. Donc, j'ai A, R, O, T, E, N. Donc voilà. Donc, ça, c'est pour le début. Ok. Je sais pas, il y a un truc avec un minuteur aussi. Hein. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose où il y a un. C'est un calendrier. Il y a un minuteur. Il y a un minuteur sur des histoires, on peut dire, de liquidité. Voilà, vous avez un minuteur. Par rapport à haine, hein, ou par rapport à des gens qui ont de la haine. Hein. Donc là, nous avons Vav inversé. Hein, donc dans une situation. On est en train d'être totalement désancré. Donc là, dans la situation, on vous demande, on peut dire, de regarder aussi des documents. C'est très important, des documents anciens, hein, visiblement. Là, les choses sont dévoilées. On a désagrafé aussi, on peut dire, des documents où il s'agit, on peut dire, de choses qui sont en train d'être coupées. Voilà, parce que Vav, ça représente l'amoureux aussi en inversé, hein, par rapport à des gens qui ont les crocs, hein, ou par rapport à des gens qui montrent les crocs.
Donc là, effectivement, nous avons Aleph inversé. Donc on peut dire que on suit un guide, on suit un prince, on suit un conseiller. Bon, c'est des gens qui sont pas renseignés, ou vous avez des problèmes, on peut dire, pour choisir une voie, ou vous avez choisi une mauvaise voie. Et vous avez autour de vous aussi des gens qui vous donnent de mauvais renseignements. Ou ça peut être aussi un faux départ. Ou ça peut être des gens qui sont très néfastes, hein, qui vous donnent, on peut dire, des informations fausses. C'est par rapport à Guimel, donc c'est par rapport aussi, je veux dire, à des gens qui sont peut-être dans la marine à voile, hein, voilà. C'est par rapport à une femme. C'est visiblement, c'est pour compléter quelque chose. Pour d'autres, c'est directement lié, on peut dire, à votre hérédité. Hein. Donc moi j'ai le chandelier à cette branche aussi, et ça peut être aussi par rapport à un chameau, hein. Une femme peut être un chameau, ou je veux dire vous vivez près de peut-être de désert. Et là dans la situation, il y a une personne qui va recevoir une rétribution aussi. Par rapport à de l'enseignement du passé, hein, et par rapport, on peut dire, à bon, des gens qui se sont soit séparés, soit vous avez pris une décision dans le passé, hein, concernant, on peut dire, un projet, peut-être un projet amoureux avec Vav, ou vous avez choisi, on peut dire, une voie avec votre cœur. Et là, on peut dire que c'est bloqué, hein, moi, c'est ce que je sens. Parce qu'il vous manque des connaissances. Et là, nous avons baisse inversée. Donc voilà, baisse, normalement, c'est la naissance. Et quand c'est inversé, on peut dire une prise de décision sur, on peut dire, une relation sentimentale, ou par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. C'est bloqué. Vous êtes bloqué dans une maison. Vous êtes bloqué dans une résidence. Vous êtes bloqué aussi, peut-être, pour vous déplacer. Ouais, parce que bon, il y a des gens, on peut dire, qui ont pris conscience de certaines choses, mais dans la situation, il y a des personnes qui se taisent. Ok, alors je vais prendre mes petits papiers, comme vous le savez. Alors. Donc là, visiblement, c'est une force assez, on peut dire, négative, hein, qui gouverne. Parce que, voilà. Dans le passé, vous aviez une force très néfaste, où vous êtes dans les conditionnements sociaux et familiaux, et vous étiez, on peut dire, guidé par des choses qui sont très négatives pour vous. Donc là, on a une personne qui est poursuivie. Hein, voilà. Donc là, vous avez une force néfaste qui vous poursuit. Elle le poursuit. Donc c'est pour ça que nous avons un Aleph inversé. Donc vous êtes entouré, on peut dire, de personnes très néfastes autour de vous. Des gens qui vous poursuivent, des gens qui ne veulent pas lâcher l'affaire. Et c'est par rapport aussi à des gens qui peuvent être jaloux, peut-être de qui vous êtes, de votre personnalité ou de votre pouvoir. Parce qu'il y a une force qui gouverne le monde, et cette force est hors de contrôle, hein, par rapport à des gens qui vous poursuivent. Donc là, dans une situation, on va faire l'inventaire, on peut dire, de sa vie. On va faire aussi une promesse. Et dans le passé, c'était par rapport à des Americanas, ou des gens qui portent des tennis, où il peut s'agir d'un danseur. Quelqu'un, je veux dire, qui. Voilà, je veux dire, c'est. Alors, si tu as rencontré un homme, le mec, c'est un professeur de tango. Hein. Voilà, par exemple. Et ça, c'est par rapport à une femme. Donc. Pour certains, je veux dire, il y a une personne qui est très abondante, ou c'est directement lié à votre arbre généalogique et transgénérationnel.
une femme qui peut être un chameau, je veux dire, on l'a fait beaucoup danser, mais là, je veux dire, on la fait plus danser. Et c'est par rapport, on peut dire, je veux dire, à... Alors, vous travaillez peut-être dans une société électrique, hein, où, c'est par rapport, on peut dire, à de l'électricité. Alors, vous recevez votre facture électrique, et puis là, ça vous va plus. Hein. C'est pour ça que nous avons la baleine inversée. Hein, je veux dire, il n'y a plus de liquidité. Enfin, les choses ne sont pas fluides. Hein, moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc là, visiblement, sur... on peut dire une dualité dans le passé, hein, où on n'arrivait pas à choisir. On va avoir un nouveau regard sur la nudité. Hein. Ouais, je veux dire, vous êtes complètement dépouillé dans la situation, ou vous êtes en train d'être dépouillé par quelqu'un qui vous poursuit. Hein. Elle le poursuit. La nudité, ça va être de faire aussi l'inventaire de ce qui vous reste, hein, et aussi de vous promettre quelque chose. C'est par rapport à des gens qui ont reçu, on peut dire, l'illumination sous l'arbre de Bouddha. Voilà, donc vous savez très bien, on peut dire, voilà ce qui se passe. Par rapport, on peut dire, à des gens qui ont pris une décision dans le passé, une décision sentimentale. Et la promesse, c'est par rapport, on peut dire... La promesse, c'est que les choses aillent plus de façon plus fluide pour vous, ou je veux dire, la promesse, c'était par rapport à une relation homo, donc c'était par rapport plutôt entre deux hommes. Et là, par rapport à une relation, alors homo, ça peut être aussi deux personnes, on peut dire, qui se ressemblent, ou ça peut être, on peut dire, je veux dire, vous êtes poursuivi par quelqu'un, je veux dire, voilà, avec lequel vous avez eu des relations. Et là, on peut dire sur, on peut dire un nouveau regard que vous pouvez avoir sur votre vie. Hein, vous avez quelqu'un qui vient et qui s'oppose, qui n'est pas d'accord, visiblement, pour votre choix par rapport, on peut dire, à une femme, hein, puisque j'ai dit mail. Voilà, et par rapport à une femme, elle est ici et ailleurs. Donc, bon, soit, je veux dire, vous êtes espionné, on peut dire, par quelqu'un, hein, qui est ici et ailleurs, c'est-à-dire elle est ici et puis elle est peut-être, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de virtualité. Soit, on peut dire, c'est une personne qui est à cheval entre deux mondes, hein, ou c'est peut-être une personne aussi qui a des origines doubles, ou c'est quelqu'un qui peut, on peut dire, avoir un double langage aussi. Et c'est par rapport, on peut dire, à des notes électriques, hein, voilà, par rapport à l'électricité. Alors, pour d'autres, enfin, je veux dire, il y a une histoire qui chauffe, là. Hein, enfin, je veux dire, dans les câbles électriques, ça chauffe. Hein. C'est par rapport aussi à un acteur, hein, un mec, je veux dire, qui ressemble à Marlon Brando, hein, voilà, un tramway nommé Désir. Bon, il faut regarder le film, bien sûr. Donc là, bon, il y a quelqu'un qui a une illumination. Bon, là, visiblement, Marlon Brando, il a peur de te parler, hein, visiblement. Voilà. Et là, visiblement, sur des relations homo, hein, alors ça peut être aussi des hommes, je veux dire, si c'est des relations multiples, ou je veux dire, vous êtes bisexuel. Là, tu vas te faire une promesse, parce que là, tu es en train de réceptionner ton âme. Et là, je veux dire, pour d'autres, vous allez vous prendre vraiment les grosses sanctions, on peut dire, sur la tête. Par rapport aussi à un acteur, hein, quelqu'un qui a joué l'acteur studio dans ses relations sentimentales. Donc, il y a quelqu'un qui s'oppose, quelqu'un qui vient et qui s'oppose. C'est par rapport à la caméra, par rapport à quelqu'un qui se fait filmer. Par rapport, on peut dire, caméra, c'est dans une chambre aussi. C'est par rapport aussi à des photos. Donc là, il y a des gens, je veux dire, ils vont se faire sanctionner parce que vous avez surveillé votre copain ou votre copine. Et là, je veux dire, ça chauffe sur les câbles électriques, hein, parce que moi, j'ai la société d'électricité. Et... Alors, soit il y a quelqu'un qui a manqué une autre personne, ou soit on essaye de vous faire manquer quelque chose. Soit vous avez un problème à la main,
Hein, vous êtes pianiste, il vous manque un doigt, un truc comme ça. Ouais, quelque chose, on peut dire, ou on peut dire quelqu'un, je veux dire, on l'a manqué d'un doigt, hein, c'est possible aussi. Bon, il y a quelqu'un qui fait un régime aussi. Bon, là, visiblement, l'acteur, Brando, nommé Désir, c'est par rapport à un ange. Et c'est une personne qui a peur de te parler, hein, parce que c'est une personne, alors ça peut être un homme ou une femme, hein, voilà. Parce qu'il est poursuivi par un monde d'égrégores. Alors, les égrégores, évidemment, c'est toutes les pensées, on peut dire, qu'on envoie. Alors, vous êtes entouré de personnes néfastes qui vous envoient évidemment des pensées ultra négatives. C'est très très difficile. C'est pour ça qu'il faut se mettre en retrait. Il ne faut pas être dans la colère. Plus vous êtes dans la colère, plus vous attirez évidemment des égrégores négatifs. Et bon, et là, il y a des gens, je veux dire, il faut pas bouger. Hein. C'est par rapport, on peut dire, à un escargot à New York. Hein, où vous fréquentez, on peut dire, un restaurant très très chic. Voilà, où je veux dire, vous êtes. Et là, vous êtes poursuivi, on peut dire, par un monde d'égrégores. Alors, vous êtes peut-être poursuivi aussi par votre passé. Donc, là, visiblement, on a un homme qui est habité par un être. Donc, là, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une grosse dualité chez quelqu'un, hein, plutôt un homme, qui est poursuivi plutôt par une femme. Après, c'est interchangeable. Voilà, quelqu'un, visiblement, voilà, bon, c'est de la vaseline, hein, dans les relations homo. Et là, vraisemblablement, on est entre deux. On est entre l'ange et le démon. Hein, on est entre l'ange et le monde d'Égrégore. Quelqu'un qui est habité, hein, qui est habité par son âme. C'est quelqu'un qui a eu une illumination ou c'est quelqu'un qui a pris conscience de quelque chose, on peut dire, dans cette situation par rapport à un guide dans le passé ou par rapport à un conseiller. Ça peut être un époux, ça peut être un prince, hein, ou quelqu'un qui maîtrise quelque chose dans son domaine. Voilà, quelqu'un qui a reçu un enseignement et quelqu'un qui a pris une décision, on peut dire, avec son cœur. Alors la décision du cœur, ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça peut être aussi une relation sentimentale. Et là, on peut dire, il y a une personne de votre entourage ou plusieurs qui vient et qui s'oppose par rapport à quelqu'un qui est ici et ailleurs. Alors, pour d'autres, il y a une personne, on peut dire, qui est très, on peut dire très lumineuse, parce que j'ai Bouddha, l'illumination. Qui vient et qui s'oppose dans une situation par rapport à quelqu'un qui est dans une chambre ou quelqu'un, je sais pas, on a fait des photos. Et c'est une personne qui est grand amateur de boxe. Donc voilà, elle vient et elle s'oppose. Hein. Quelqu'un qui est à la fois dans le monde quantique et dans le monde réel. Voilà. Bon, là, visiblement, le grand amateur de boxe. Bon, visiblement, vous avez un problème à la main ou, je veux dire, on vous a manqué d'un doigt par rapport à une chambre ou par rapport à des photos. Vous avez un ange gardien. Alors là, sur ma ligne, j'ai un ange, quelqu'un qui est habité par un être, un grand amateur de boxe et un ange gardien. Donc là, visiblement, alors il faut comprendre que les anges, évidemment, ce sont des énergies quantiques. Ça représente aussi vos ancêtres, hein, ou ça représente des personnes décédées dans votre famille. Alors l'ange, la chose qui te protège, c'est par rapport, on peut dire, toujours à un kakémono, hein, des gens, on peut dire, qui sont dans la calligraphie plutôt japonaise ou plutôt chinoise. Quelqu'un qui est poursuivi, hein, visiblement, on te poursuit par rapport à des recettes de cuisine, hein, ou par rapport à des secrets. Et ça concerne, on peut dire, des liquidités, hein, toujours des trucs qui se passent à la cuisine, ou je veux dire, si ça concerne des cuisiniers ou des gens qui ont des restaurants.
Des gens qui peuvent être des escargots aussi. Et visiblement, un grand amateur de boxe est protégé par un ange gardien par rapport à 12 tableaux. Hein. Là, visiblement, voilà, une personne qui est ici et ailleurs. Hein. Donc, on peut dire que tu as tes ancêtres, je veux dire qu'ils sont tout autour de toi. Hein. Ouais, des gens qui n'ont pas de corps. Hein. Donc là, là, il y a des gens qui sont ultra protégés, on peut dire, par on peut dire leur arbre généalogique et transgénérationnel. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, l'ange, c'est par rapport, on peut dire, à une caravane, ou je veux dire, vous vous déplacez, ou vous vous êtes déplacé. Et pour d'autres, c'est par rapport à des gens qui ne voient pas clair, ou vous êtes dans un espace aveugle où il n'y a pas de fenêtre, ou on peut dire par rapport à quelque chose qui est fermé. Et donc là, visiblement, on a déplacé quelqu'un, ou vous vous êtes déplacé, ou on a déplacé, on peut dire, des objets. Mais là, ce que j'ai, c'est visiblement, il y a des écrits que l'on a déplacés. Bon, pour d'autres, c'est elle le poursuit. Hein, c'est par rapport, on peut dire, à des personnes qui habitent Marseille. Hein, ou c'est par rapport à un panier, hein, quelqu'un qui se balade avec un panier, hein, qui se balade aussi avec des recettes de cuisine, hein, ou des secrets. Et on fait l'inventaire et la promesse des gens qui sont sanctionnés ou quelqu'un qui est habité, hein, habité par un être. Il s'agit d'un policier costaud, hein, ou d'un samouraï. Hein. Une personne qui peut être aussi grand amateur de boxe. Hein. Voilà, une personne qui est un lutteur. Hein. Et là, visiblement, les problèmes de liquidité, puisque j'ai la baleine inversée, c'est par rapport à, dans le passé, Coq en stock et Tintin et le Lotus bleu. Hein. Donc, c'est plutôt un homme, on peut dire, blond ou à la peau claire. Par rapport à une caméra ou par rapport à une chambre ou par rapport à des photos. Donc là, on s'oppose, hein, ou je veux dire, il y a un ange ou un ange gardien, parce que là, j'ai beaucoup de choses, hein, qui s'est opposé, hein, par rapport à de la coke en stock. Hein. Voilà, une personne qui peut être un lotus bleu, hein, quelqu'un qui peut avoir une illumination aussi. Et c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qu'on a voulu faire plonger, hein, avec des tableaux. Pour d'autres, c'est par rapport à une société électrique. Donc, si vous faites des tableaux, je veux dire, méfiez-vous, on veut vous faire plonger. Et les tableaux, c'est par rapport à une personne, je veux dire, qui a froid, en montagne et en altitude. Hein. Donc là, je sais pas, il y a des gens, vous avez chez vous des gens qui sont habillés en... par rapport à une société électrique, enfin je veux dire, des gens qui vont vous voler vos tableaux. Moi ce que j'ai, c'est des gens qui se font passer pour une société d'électricité pour voler des tableaux en altitude, hein, la montagne, hein, par rapport à quelqu'un qui a froid. Ouais, je sais pas, il y a des trucs, je sais pas, il y a des tableaux dans des frigidaires, hein, il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc méfiez-vous, hein, il y a des gens qui s'opposent, qui sont pas d'accord, il y a des gens qui veulent vous voler. Voilà, là, pour d'autres, vous avez de la calligraphie chez vous, hein, enfin, je veux dire, c'est pareil, hein. Bon, allez, continue. Donc là, il y a une force néfaste autour de vous qui veut vous faire changer d'avis. Elle le poursuit. Voilà, vous êtes poursuivi par un homme ou par une femme. Par rapport à une promesse aussi. Dans le passé,
sur des personnes aussi qui portent des tennis Americanas à trois bandes. Et par rapport à un danseur aussi, hein, visiblement quelqu'un qui ne danse plus. Donc là, on va avoir un nouveau regard, on peut dire, sur la nudité, ou quelqu'un qui, je vais dire, qui est complètement dépouillé. Un acteur, hein, Marlon Brando, hein, un tramway nommé Désir. Hein. Il a peur de te parler, Marlon Brando. Hein. Voilà, et ce dont il a peur de te parler, c'est de sa relation homo. Hein. Donc là, nous avons Filippo Martinetti, hein, donc c'est l'acteur. Hein. Visiblement, voilà, quelqu'un qui a pu se tromper aussi, je veux dire, dans ses relations sentimentales. Donc lui, il a envie d'avancer. Hein, donc c'est plutôt une personne d'origine italienne. Une personne, hein, je veux dire, il y a des... qui prend beaucoup l'avion. Donc on te dit fais de ton art une déclaration de guerre. Là visiblement, je sais pas, il y a quelqu'un qui va sortir de l'aveuglement aussi, ou tu vas sortir de ta caravane. Ensuite, hein, bon, une personne qui est pas renseignée, hein, toi tu fais l'inventaire de ta vie, hein, visiblement c'est Jean-Michel Basquiat, une personne d'origine africaine. Bon, là, visiblement, enfin, je veux dire, si tu as été voir un maître ou un conseiller, la personne t'a vraiment mis dans les addictions. Des gens, je veux dire, qui conservent des recettes de cuisine par rapport à des personnes d'origine marseillaise. Ou pour d'autres, c'est par rapport, on peut dire, à un policier costaud, hein, ou un samouraï. Hein. Des gens qui ont des problèmes de liquidité, hein, qui ont des problèmes d'argent, hein, avec, voilà, vous voyez, avec la baleine inversée. Hein. Et là, enfin, je veux dire, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, qui ont des problèmes de liquidité, là. Hein. Les baleines remontent, hein. Ça va pas, là. Et donc, par rapport à une femme, c'est par rapport à Rinculas, donc, qui est en inversé. Donc, je sais pas, il y a des trucs qui sont liés, on peut dire, à une société électrique. Il manque quelqu'un. Et c'est par rapport à des gens qui se déguisent, pour d'autres. Des gens qu'on a fait plonger ou qu'on a refroidi à la montagne, en altitude. Pour voler, on peut dire, voilà, plutôt voler des œuvres d'art. Et donc là, nous avons Buckminster Fuller, donc quelqu'un qui tient les réseaux de communication dans sa main. Mais comme j'ai Bess inversée, et j'ai aussi Aïn inversée, on peut dire que là, il y a des gros scénarios, je veux dire, pour empêcher bon, des gens de regarder la vérité, ou pour empêcher, on peut dire, quelqu'un voilà, de refaire sa vie, hein, tout simplement. Voilà, là visiblement, c'est un monde d'égrégores, hein, les relations de télécommunication, où vous recevez des messages, je veux dire, mais c'est quand même assez faux. Hein. Ouais, ouais, parce que vous voyez, moi j'ai ça. Hein. Ouais, voilà, bon. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui portent, on peut dire, des masques, des perruques. Donc méfiez-vous si vous avez une société électrique qui arrive chez vous, je veux dire, c'est pour vous voler. Pour d'autres, visiblement, bon, bah, le Yayo Kusama, je veux dire, pareil, hein, ouais, je sais pas, il y a un vaporisateur où, je veux dire, vous êtes atomisé, où vous avez beaucoup de boutons, hein, enfin, il y a un gros problème, hein, enfin, je sais pas, il y a des gens, ils ont beaucoup de boutons, hein, sur eux, là, visiblement. Ouais, je sais pas, il y a un gros problème, peut-être aussi de santé, hein. Des gens qui n'arrivent pas à se transformer, des gens qui sont vraiment dans le stress. Ouais, ça peut être aussi des gens qui sont liés peut-être à de l'administration, ou je veux dire à des sociétés, hein, voilà. Vous avez des problèmes de télécommunication, vous avez des problèmes avec vos ordinateurs, par rapport, on peut dire, à des trucs électriques, hein, ou voilà, des...
Ça peut être ça aussi. Ouais, je sais pas, des gens qui plongent aussi par rapport à des œuvres d'art. Hein. Enfin, là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent par rapport à l'électricité. Hein. Ouais. Alors, pour Filippo Martinetti, voilà, je veux dire, un acteur. Hein, c'est Tramway nommé Désir, ta vie. Donc là, toi, tu vas être dans la réussite, hein, visiblement, par rapport à ça. Tu vas sortir de ta caravane. Tu vas arrêter d'être aveugle ou de fermer les yeux. Parce que tu as un ange au-dessus de ta tête. Ah, Filippo Martinetti, il est en train de quitter, on peut dire, une énergie très néfaste. Oui, effectivement, nous avons une personne qui voit le jour. Alors, tu vois peut-être le jour aussi sur des liquidités, des choses, on peut dire, qui te manquent. Hein, un nouveau regard sur la nudité, hein, visiblement. Bon, c'est une personne qui est dans la solitude. Voilà, la réussite, c'est par rapport à l'expédition des affaires courantes. Et tu es dans la solitude aussi par rapport, on peut dire, à un ange, hein, donc je le répète, un membre de votre famille décédé, vos ancêtres, votre arbre généalogique et transgénérationnel, par rapport à un kakémono, par rapport à un objet asiatique. Hein, ce n'est pas forcément un kakémono, mais ça peut être aussi. C'est plutôt des écrits, on peut dire. Hein, ça peut être des lettres, des courriers. Hein. Ensuite, hein, donc avec Jean-Michel Basquiat. Bon, quelqu'un qui n'est pas très renseigné, hein, on va dire. Donc là, bon, là avec le 6 de denier, Jean-Michel Basquiat, voilà, ce sont des personnes qui sont dans l'ambition. C'est un monde d'égrégore. Par rapport à un policier costaud, un samouraï, des recettes de cuisine, des secrets. Alors le monde d'égrégore, comme je vous l'ai dit, ça fait partie aussi pour d'autres de la sorcellerie. Hein, c'est-à-dire qu'on vous envoie, on peut dire, des informations très néfastes. Bon, ça va être très compliqué parce que là, il y a des gens, je veux dire, ils ont reçu l'illumination. Mais vous êtes poursuivi, hein. Vous êtes poursuivi par un policier costaud ou un samouraï. Des gens qui vont recevoir une sanction. Donc là, dans une situation, c'est par rapport à des nouvelles connaissances. Pour d'autres, c'est par rapport à une relation homosexuelle. Bon là, il y a des gens qui font l'inventaire de leur vie. Vous recevez une sanction ou, je veux dire, la sanction, c'est pour que tu te retrouves. Voilà, pour que tu sois incarné dans ton âme. Et l'ambition, visiblement, c'était par rapport, on peut dire, à une reine de coupe dans le passé. Alors, pour d'autres, vous êtes un homme africain qui a reçu, on peut dire, des enseignements de la part d'une femme blonde dans le passé. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes dans l'ambition maintenant. Sur les nouvelles connaissances, bon, bah, des gens qu'on vous a présentés, nous avons, on peut dire, une femme méchante dont le plan ne marche pas. Voilà, il s'agit d'une veuve qui a des ennuis, hein, par rapport à un policier costaud ou par rapport à un samouraï. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une rivalité, on peut dire, entre deux femmes. Une reine de coupe, on peut dire, dans le passé, et on peut dire une veuve dans le passé. Alors, pour certains, si vous êtes un homme, la femme, la blonde, c'était un présent pour vous, hein, et vous allez être dans l'ambition par rapport à elle. Et pour d'autres, je veux dire, tu as une veuve qui t'a mis dans les ennuis dans le passé, par rapport à un samouraï ou par rapport à un policier costaud. Ouais, pour d'autres, c'est des histoires, on peut dire, de nouvelles connaissances. Je veux dire, c'est des relations homo, hein. Visiblement, ça t'a mis dans un puits. Hein. Donc là, après, avec Rime Coulas sur une femme guimel, hein, ça peut être une impératrice, quelqu'un qui est très abondant, quelqu'un qui prodigue aussi de l'enseignement, qui a prodigué de l'enseignement dans le passé. C'est par rapport à une lettre ou c'est par rapport à des courriers. Hein, donc là, vous êtes sur un 2 de denier. Hein, donc,
Vous ne savez pas trop quoi penser. Vous êtes dans l'embarras. Par rapport à quelqu'un qu'on a fait plonger dans le passé aussi. C'est un ange gardien. C'est aussi un membre de votre famille décédé, hein, de votre arbre généalogique et transgénérationnel. Et là, il y a des gens, respirer, ça va être primordial. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et là, dans un courrier, il y a quelqu'un qui vient et qui s'oppose. C'est par rapport à une caméra ou c'est par rapport à une chambre. Par rapport, on peut dire, à une personne qui est grand amateur de boxe. Hein, vous faites de la boxe thaï, par exemple. Et c'est par rapport, on peut dire, à des liquidités. Hein. Ou je veux dire, je sais pas, vérifier ce que vous buvez. Hein. Et donc, visiblement, le conseil, la lettre, le manuscrit, le mail, l'information va être très utile pour vous. Visiblement, c'est un ange gardien pour d'autres. Ça va vous éviter de plonger dans la coke. Hein. Et pour d'autres, de faire une erreur avec... par rapport à des médicaments. Moi, c'est ce que je sens. Donc, c'est par rapport toujours à un voyage. Hein. Là, visiblement, il y a des gens qui... Elle est ici et ailleurs. Elle est dans deux mondes. L'ange gardien, là. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est fait refroidir ou quelqu'un qui a froid, quelqu'un qui peut être malade à la montagne ou en altitude. Vous êtes malade, c'est par rapport à un voyage. Hein. Par rapport à un chevalier de denier, un truc qui est arrivé tout doucement. Voilà, quelqu'un qui peut ressembler à Tintin, hein, je veux dire le lotus bleu. Hein. Quelqu'un qui a une grande clarté, on peut dire, une grande... Ça va vous permettre de regarder les choses plus clairement, on peut dire. Par rapport pour d'autres à une société électrique. Donc effectivement, c'est l'arrivée de quelqu'un dans une lettre ou dans un courrier. Donc moi, ce que j'ai, hein, j'ai quelqu'un qui est poursuivi hein, par une ou plusieurs personnes. Ça peut être une femme ou un homme. Et j'ai aussi une personne du passé, une reine de coupe inversée, hein, qui peut être aussi dans l'économie, hein, une femme blonde qui arrive. C'est la grosse surprise dans la situation. 9 de denier. Hein, là, visiblement, c'est la grosse surprise par rapport aussi à un projet, je veux dire, qui va être très utile. Hein, par rapport à des gens qui se déplacent hein, ou par rapport à une nouvelle terre. Mais là... Bon, alors, j'ai plusieurs choses. Hein. Bon. Alors, j'ai une femme veuve qui va avoir les effets, on peut dire, d'une grosse duperie. Tu vas recevoir une sanction hein, par rapport, on peut dire, à un courrier, par rapport à des lettres, par rapport à un mail, par rapport à quelqu'un qui arrive. Pour d'autres, vous avez autour de vous, si vous êtes un homme, enfin, je veux dire, c'est tramway nommé désir, hein, il y a deux femmes. Donc, il y en a une qui te poursuit hein, et l'autre, on peut dire, qui au niveau des sentiments était dans l'ambition et ne t'a pas dit la vérité. Et donc, il y a une troisième personne qui arrive sur une histoire de trahison et de duperie. Donc, ça peut être évidemment des gens qui vont avoir une grande clarté aussi, une grande vision par rapport à votre arbre généalogique et transgénérationnel. Il s'agit de guillemets, il s'agit plutôt d'une femme, hein, soit d'une femme de votre famille, soit il peut s'agir, on peut dire, voilà, d'une femme avec laquelle vous avez des relations, on peut dire, antérieures, d'arbre généalogique, hein, ça peut être ça aussi. Parce que moi, elle est ici et ailleurs, elle est dans deux mondes. Donc on a des gens qui sont poursuivis et il y a une personne qui vient et qui s'oppose par rapport à de la trahison, par rapport à une personne qui a froid, hein, qui a froid à la montagne. Hein. Par rapport, on peut dire aussi, je sais pas, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un dans une situation où, je veux dire, on surveille quelqu'un. Hein. Il manque quelqu'un. Parce qu'on est en train de le voler. Alors, soit c'est... alors, il y a 12... on peut dire...
ce que je veux dire, c'est comme un calendrier. Hein, y a 12 mois, hein, y a 12 tableaux. Et donc, tout ça, c'est du scénario pour faire plonger quelqu'un dans un déplacement. Puisque j'ai à la fois, on peut dire, la roue de la fortune qui n'a rien de fortuné, et j'ai aussi le diable. Hein, donc là, c'est par rapport, on peut dire, il y a quelqu'un qui arrive, ça va être très utile. Par rapport à des gens, je veux dire, 9 de denier inversé, enfin je veux dire, on est complètement désancré. Et je veux dire, c'est le diable, hein, par rapport à quelqu'un qui était en voyage, hein, aussi. Donc voilà. Donc là, dans la situation, il faut être dans la tempérance. Ouais. Là, il va falloir être dans la tempérance. C'est par rapport, on peut dire, au réseau de télécommunication, visiblement, où on met beaucoup de perruques. Hein, hein, voilà. Là, il faut regarder les choses dans le miroir, hein, visiblement, par rapport à des gens qui ont fini, je sais pas, en bouton d'acné. Enfin, vous avez des problèmes de peau, hein. Avec Yayo Kusama, hein, y a un gros problème là, hein, je sais pas. Il faut regarder les choses du passé, hein, visiblement, sur des gens, je veux dire, c'est l'acteur studio. Hein. En tout cas, là, c'est plutôt des gens qui ont soit des documents, soit des œuvres d'art. Donc, pour Filippo Martinetti, hein, voilà, quelqu'un, je veux dire, qui a choisi avec le cœur dans le passé, qui veut avancer. Bon, bah là, nous sommes avec des acteurs. Voilà, je vous montre. Très jolie carte. Hein, des gens qui sont sur scène. Donc, voilà, donc on peut dire que dans le passé, on a mis quelqu'un dans une caravane, ou on a enfermé quelqu'un, ou on l'a rendu aveugle, quelqu'un qui peut être dans la solitude. On vous a, voilà, bon, pour d'autres, on vous a culpabilisé. Et donc, on vous dit que tout ça, c'était des acteurs. Hein, c'est des gens qui ont joué la comédie. Et là, nous avons Filippo Martinetti qui continue, on peut dire, d'être poursuivi. Alors, t'es peut-être poursuivi par quelqu'un, ou t'es peut-être poursuivi par tes ex, hein, voilà, surtout si tu es un peu comme Marlo Brando, un tramway nommé Désir, enfin je veux dire, des gens qui te suivent. Bon là, on a quand même quelqu'un qui est dans la solitude, hein, bon. Donc là, visiblement, bah, c'est Harlequin, hein, donc là, visiblement, dans une situation, on est avec peut-être deux hommes qui se transforment. On voit le jour aussi par rapport à des addictions, par rapport, on peut dire, à des jeux d'acteurs. Des gens, je veux dire, qui ont des recettes, hein, des recettes pour, voilà. Et donc là, on peut dire sur Jean-Michel Basquiat, bon, une personne, on peut dire, afro, qui a reçu un enseignement dans le passé. Il est dans l'ambition, hein. Là, toi visiblement, enfin je sais pas, il y a un problème, hein. Je sais pas, tu prends je sais pas, l'arbre généalogique de quelqu'un pour donner à tes enfants, hein. Il y a un truc comme ça, où je veux dire, où on a volé des enfants, par rapport aussi à une femme blonde, où on essaye de te voler si tu es blonde, hein. On essaye de te voler tes fruits, hein. Par rapport, on peut dire, à des gens de Marseille, des gens du panier ou des gens qui portent un panier. Hein. Voilà, pourquoi? Parce qu'elle te poursuit, hein, ou elle le poursuit. Donc là, on a un homme qui a peur de te parler, hein, qui est sanctionné, hein, visiblement, par une femme méchante ou par une veuve. Voilà, bon là, visiblement, pour d'autres, je veux dire, sur vos... Voilà, sur vos amis, c'est la stupeur. Hein. Tu te rends compte que tout le monde porte des masques et que personne ne t'a dit la vérité. Et donc là, il y a quelqu'un qui revient.
La personne qui revient, c'est une veuve ou c'est une personne qui vous a, je veux dire, voilà, une femme très méchante, hein, ouais. Par rapport à une femme blonde, hein, visiblement, parce que derrière, j'ai de la duperie, hein, j'ai de la duperie, j'ai le diable, donc on peut dire que dans des histoires, je sais pas, il y a des gens qui remettent ça, hein. Ouais, si c'est ça. Par rapport à une personne qui grelotte à la montagne. Hein. Donc, par rapport à une femme, bon, le courrier, la lettre, des gens qui sont dans l'embarras. Bon, bah là, je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive, hein, visiblement, avec le navire. Donc, vous êtes un marin aussi. Donc, il y a un courrier. Il y a un courrier, il y a une arrivée, on peut dire, je veux dire. Alors là, par contre, il y a des gens qui se prennent des sanctions. C'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui arrive avec de nouvelles informations sur une personne qui vous a fait du mal. Et voilà, quelqu'un qui est peut-être d'origine étrangère, hein, parce que sur ma carte, enfin, je veux dire, ils ne font pas très français. Ok. Plutôt Istanbul, plutôt turc. Alors, je sais que sur ma chaîne, j'ai des personnes, on peut dire, d'origine turque aussi, que je salue, elles se reconnaîtront. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, à des friandises. Hein, là, visiblement, c'est par rapport à un banquet. Hein, ça va être la grosse du prix, je veux dire. On va venir manger dans ta, dans ton assiette. Ouais, c'est un peu ça. Alors le projet là qui arrive, hein, si vous êtes grand amateur de boxe, hein, ou je veux dire si t'es un ange gardien, je veux dire qu'on a fait plonger, enfin je sais pas, hein, une personne de ta famille qu'on a fait plonger, une personne qui est plutôt à la montagne, hein, qui fait du ski. Là le banquet, il va falloir faire attention aux friandises, hein, parce que moi j'ai de la trahison là-dessus. Hein. Ouais, effectivement, vous voyez pas clair. Hein, vous êtes aveugle dans une situation pareille. Hein, on vous raconte, je veux dire que tout est beau et en fait tout est fake. Voilà, des gens qu'on fait beaucoup manger, hein, ou des gens qu'on arrose beaucoup. Hein, en 12 tableaux ou pendant 12 mois. Et là, visiblement, pour certains, ça va être la grosse cascade. Ouais, donc méfiez-vous, hein, voilà, parce que moi j'ai le diable et la force majeure dans un déplacement ou dans un voyage, ok. Pour d'autres, ça va être la casquette de lumière, hein. Enfin, je veux dire, il va t'arriver un truc, mais un truc que tu vois pas, hein, la grosse cascade, hein. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans la tempérance, hein. Voilà, et donc ce qu'il faut comprendre dans la situation, hein, c'est que c'est une mascarade. Hein, voilà, c'est une mascarade complète. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye de te remettre dans un plan là. Voilà, il y a des trucs que tu ne vois pas. Et la personne, on peut dire, c'est toujours le chauve. Hein, le chauve qui veut te remettre dedans, hein, par rapport à une femme. Hein, une femme qui peut être un chameau, hein, ou une femme qui peut être aussi d'origine africaine. Hein, Afrique du Nord, Afrique du Sud. Hein. Voilà, par rapport à une grosse mascarade. Hein. Et je vais te dire, la grosse mascarade, alors pour d'autres, je veux dire, vous êtes peut-être dans l'art, vous voulez acheter des tableaux. La grosse mascarade, c'est par rapport à de l'art. Hein. Hein, donc là, je veux dire, c'est des gens qui veulent te voler. Hein. Soit des gens qui veulent te voler tes économies, soit des gens qui veulent te mettre, on peut dire, dans des abysses d'émotions. Hein. Donc il s'agit d'un samouraï, donc plutôt d'un japonais ou d'un policier costaud. Voilà, des gens qui veulent faire peut-être des échanges entre un kakemono et 12 tableaux. Ouais, c'est à ta maison. Et pour d'autres, on veut te couper ton arbre généalogique et transgénérationnel. On veut te pomper ton argent, on veut te pomper tes fruits. On veut pas que tes enfants reçoivent, on peut dire, ce qu'il faut. Donc là, dans une situation, je veux dire... Je sais pas, t'as intérêt à mettre une barrière ou mettre une grosse muraille. Hein. Parce que là, je veux dire, ça sent mauvais. Hein.
Ouais, parce qu'en fait, on voit pas. Hein. On voit pas arriver, je veux dire, le. Voilà. Le chauve, hein, le brun, là. On le voit pas arriver. Hein. Bon. Alors, je continue. Je vais prendre. Donc là, s'il y a des gens qui vous apportent, je veux dire, voilà, un projet et tout ça, bon, après, il faut se reconnaître évidemment dans mes personnages. Bon, c'est pas très positif. Donc là, on a Filippo Martinetti. Voilà, je veux dire, un homme en canotier, plutôt bien habillé. Hein. Lui, il veut avancer. Hein. C'est par rapport, on peut dire, à voilà, une femme qui est une artiste. Voilà, donc toi tu vas avoir la réussite, hein, visiblement grâce à un ange, sur, on peut dire, le tramway nommé Désir, et sur beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens qui ont joué la comédie. Mais là j'ai un ange, alors pour d'autres, l'ange ça peut représenter, je veux dire, un membre de votre famille décédée, hein, qui était une artiste, hein, c'est possible. Voilà, on voit le jour, hein, on est dans la solitude. Et pour d'autres, ça va être la troisième voie, hein, ça va être l'art, visiblement. Des gens qui sont très indépendants, hein, des personnes qui ont beaucoup de force et on les gouverne pas. Hein. Ouais. Ou je veux dire, on a un homme dans le passé qui s'est fait beaucoup gouverner, je veux dire, par ses addictions, ou je veux dire, par les gens qui l'entouraient. Hein. Donc ensuite, pour Jean-Michel Basquiat, hein, donc là nous avons une couturière inversée. Nous avons une couturière qui garde ses secrets de cuisine, hein, visiblement. Bon. Alors, je sais pas trop. Bon, déjà, c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui sont dans l'artisanat, dans la couture, voilà, des gens, je veux dire, qui cousent, hein, donc voilà. Mais cette carte est inversée, hein, donc on a coupé aussi, peut-être par rapport à une personne artiste. Bon, là, visiblement, les gens qui coupent, c'est le monde d'Égrégore. Pour d'autres, c'est de la sorcellerie. C'est par rapport à une femme blonde. Une femme blonde, ou c'est par rapport à une veuve. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est comme si c'était faux. Vous voyez? C'est-à-dire que il y a des gens, on leur a fait croire, par exemple, que c'était des artistes. Ouais. On leur a fait croire beaucoup de choses, hein, des choses qui sont fausses. On vous a dit, voilà, je collabore avec tel artiste, machin, et en fait tout était faux. Des gens qui étaient beaucoup dans les addictions. Et donc des gens qui peuvent poursuivre d'autres personnes, hein, où elle te poursuit. Et donc là, visiblement, bon, il y a quelqu'un, c'est pareil, hein, je veux dire, t'es entouré, on peut dire, de gens très néfastes. Le policier costaud ou le samouraï, hein, des gens, je veux dire, qui sont stupides ou qui te mettent dans la stupeur. Donc là, on a plutôt des gens qui sont dans l'artisanat, dans la couture. Vous travaillez peut-être dans une maison de couture, je ne sais pas. Mais en tout cas, autour de vous, on peut dire sur un projet naissant, je veux dire, on veut te toucher, mais enfin, je veux dire, tu as intérêt à tout planquer. Hein. Moi, c'est ce que je te dis. Hein. Ouais. Ouais, dans une situation, tout est planqué aussi, je veux dire, sur des trucs par rapport à des fruits. Hein, je veux dire, alors si tu as un héritage, c'est pareil. Hein, je veux dire, tu as intérêt à tout planquer, à fermer ta bouche. Hein, là, visiblement, il va falloir fermer les vannes ou fermer ta bouche. Hein, ouais, là, je veux dire, pour d'autres, vous êtes africain, je veux dire, tu ressembles à Jean-Michel Basquiat, je veux dire, tu as intérêt à fermer ta bouche aussi. Voilà, c'est un peu ça parce que là, je veux dire, tu es entouré de personnes très négatives. Des gens qui peuvent porter des tennis, hein, un danseur, hein, les Americanas, hein, quelqu'un, je veux dire, c'est le mec, il joue du tango là, hein, enfin voilà, si tu es une femme. Hein.
Donc ensuite, nous avons Rime, Coulas, un chauve. Hein. Là, lui, il est inversé. Par rapport à une femme qui a énormément d'abondance. Énormément d'abondance. Hein. Bon. Et là, c'est par rapport à un courrier. Hein. Donc là, visiblement, sur un courrier très embarrassant, je veux dire... Bon, ça concerne, on peut dire, des religions aussi. On ne voit rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne faut pas être dans les préjugés. Il ne faut pas être, on peut dire, voilà. Bon, soit il y a quelqu'un qui est aveugle, vous ne voyez pas clair. Et c'est avec le toucher, visiblement, que vous allez, on peut dire, comprendre les choses. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. C'est avec le toucher que vous allez, on peut dire, toucher le divin. C'est ce que j'ai. Hein. Par rapport à des gens, je veux dire, des gens qui ont des problèmes de vue. Hein, ou des gens, je veux dire, on les a mis dans un endroit, je veux dire, il n'y a pas de fenêtre. Enfin, je sais pas, il y a un problème. Hein. Et c'est par rapport à un courrier ou par rapport à une lettre aussi. Visiblement, c'est pour réunir toutes les cultures. Hein. Et c'est par rapport à un amateur de boxe, hein. Par rapport à des gens qui pouvaient être dans la coke, hein, coke en stock, hein, visiblement à la maison. Et là, enfin, on va quitter les addictions. Par rapport à des déplacements, on va quitter aussi les illusions. Par rapport à une chambre. Hein. Ou par rapport, on peut dire, à des photos sur une relation homo. Parce qu'il y a des gens qui sont venus et qui se sont opposés. Bon, moi, je sais pas. Il y a des gens qui viennent quand même. Je veux dire, c'est très néfaste. Hein. Bon, il y a une femme qui a de l'abondance qui s'oppose aussi. Hein, qui vient et qui s'oppose. Ça va être très utile. Hein, par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, qui veulent vous faire plonger. Hein. Ouais, je veux dire qu'ils veulent te refroidir, hein, frozen, hein. Une personne qui est à la montagne. Hein. Donc là, effectivement, avec Rime Coulas, je veux dire, le plan de la pute, là, je sais pas, ça va pas marcher. Ouais. Alors, ou t'as quelqu'un qui arrive, je veux dire, voilà, t'as quelqu'un qui arrive, qui veut te diriger, hein, si tu es un homme, hein, voilà. Bon, après, il y a des hommes qui sont soumis, c'est comme ça. Et donc là, bon, moi, ce que j'ai, c'est que ça marche pas. Hein, je sais pas, il y a quelque chose que... Bon, alors pour d'autres, vous faites une grosse cascade, visiblement, pour vous en rendre compte, hein, par rapport, on peut dire, à des gens qui se déplacent. Hein. Bon. Moi, ce que j'ai quand même, c'est de la duperie. Hein. C'est un plan. Hein. Mais le plan... bon, là, ce que je veux dire, c'est qu'on a les effets. Alors, soit vous avez une indigestion de gâteau ou de friandises. Hein. Soit vous êtes dégoûté par rapport, on peut dire, à une femme, je veux dire, qui a essayé de te faire plonger. Ou, je veux dire, c'est une femme qui plonge. Hein. Ouais. Bon, là, visiblement, la femme en cuissarde a une grosse augmentation du karma. Hein. Donc, j'ai aussi sur le diable, bon, j'ai quand même la cascade. Bon, alors, je vous dis, méfiez-vous, hein, évidemment. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, la cascade? Ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui ont l'ouverture du troisième œil, on peut dire, sur des choses autour de vous qui sont très néfastes. Pour d'autres, c'est par rapport à un déplacement ou un voyage. Par rapport à un homme blond, hein, plus particulièrement, voilà. Parce que là, j'ai quand même aussi l'ange gardien. Donc là, je veux dire, il y a des gens, ils sont cernés par leur bataillon d'ancêtres. Et là, visiblement, on a quelqu'un qui est dans la tempérance, qui est en train de réfléchir pour écrire, on peut dire, un message. Bon, il ne faut pas trop rester dans le rêve, hein, non plus. Hein. Bon, et le message, ça va être, bon, si vous êtes une femme, il y a un homme qui va vous écrire ou vous allez communiquer. C'est comment je me suis fait avoir, on peut dire, par des gens, je veux dire, qui ont des nez longs comme Pinocchio. Et pour d'autres, c'est par rapport à un bébé ou par rapport à un enfant, hein, l'histoire de, voilà, l'histoire, on peut dire, de la lettre ou du courrier ou un truc embarrassant, on peut dire, que quelqu'un va écrire.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui t'a choisi, on peut dire, dans le passé, hein, parce que tu es un signe, je veux dire, c'est quelqu'un qui a reçu des signes dans le passé, ou je veux dire, tu es quelqu'un de très pur. Mais simplement, voilà, bon, bah écoute, ce sont des personnes qui ont mis, on peut dire, beaucoup de temps, hein, je veux dire, à comprendre, on peut dire, peut-être, voilà, ce qui se passait. Voilà, des gens qui ont été beaucoup dans les manigances. Voilà, c'est un peu ça, hein, l'histoire. Ok, alors, je vais mettre mes petits... Hop, je vais enlever tout ça. Donc là, il faut comprendre ce qui arrive sur de l'art, c'est de la mascarade, hein, ok? Voilà, des gens qui sont dans l'ambition, hein, par rapport à des gens que vous connaissez pas, des nouvelles connaissances, voilà. C'est que du bullshit, hein. Ouais, c'est ça. Par rapport à de la duperie, hein. Ouais. Voilà, sur des déplacements, sur des voyages. Ok, allez, on continue. Bon là, c'est donc pour une personne, un homme ou une femme évidemment, qui est d'origine africaine, hein, Jean-Michel Basquiat, donc plutôt une métisse ou plutôt quelqu'un de noir. Filippo Martinetti, c'est plutôt un blanc européen d'origine italienne. Et là, visiblement, Rimculas, je veux dire, qui veut faire couler du monde, un homme, on peut dire, qui n'a pas de cheveux, je veux dire, ou un homme vieux. Voilà, bon, c'est avec les codes couleurs orange, hein, donc voilà, c'est par rapport à une société électrique. Donc, nous avons Filippo Martinetti, hein, donc là, bah, visiblement, c'est le dindon. C'est le dindon sur la fin d'une relation, on peut dire, sentimentale. Hein, voilà, bon, là, visiblement, je veux dire, on déménage. Ça va être la grosse réussite, hein, tu vas voir le jour. Hein. Et c'est par rapport à une de tes ancêtres, hein, voilà, une femme, je veux dire, qui était artiste, hein, voilà. Et aussi pour d'autres, c'est par rapport à vos économies. Donc là, tu es le dindon et la dinde farcie, hein, par rapport à du sexe, hein, voilà. Les jeux de l'amour et du hasard, hein, je veux dire. Ensuite, pour Jean-Michel Basquiat. Visiblement quelqu'un qui a pris la mauvaise voie. Hein. Donc toi tu fais l'inventaire de ta vie, hein. Tu es poursuivi, hein, visiblement, enfin je sais pas, il y a un truc. C'est par rapport à des gens qui sont dans l'ambition autour de vous. Hein. Donc là on a des secrets sur des recettes de cuisine. La mort est une représentation du corps et non de l'esprit. Hein. Donc là c'est par rapport à des gens qui sont dans la couture. Bon, donc méfiez-vous, hein, je veux dire, il y a des gens autour de vous qui sont dans l'ambition. Et je veux dire, c'est très néfaste, hein, je veux dire, c'est pour t'empêcher, on peut dire, de voir quelqu'un qui t'apporte un cadeau ou quelqu'un qui est un cadeau dans ta vie. Hein. Une personne qui peut être un Bouddha, hein, je veux dire, une personne qui est très, très lumineuse, un homme ou une femme. Et là, on peut dire Jean-Michel Basquiat qui a peur de te parler, hein, de son monde d'égrégore, de tout ce qu'il a fait, de ses recettes de cuisine et de ses secrets. Voilà, ton corps est malade parce que ton esprit tourne vers la matérialité. Voilà, t'as l'esprit tourné vers la matérialité, c'est pour ça que t'es malade. Donc là, toujours pour Jean-Michel Basquiat, on a rejet et amertume sur ton passé. Hein, visiblement, tu as des courants d'air dans la tête, hein, par rapport à une personne du passé. Pour d'autres, vous êtes un policier, vous êtes costaud, vous êtes un samouraï. Hein, et vous recevez, on peut dire, une sanction par rapport, on peut dire, à de nouvelles connaissances, hein, par rapport à des gens autour de vous. Hein. Donc tout ça est complètement inversé. Donc on peut dire que la sanction, c'est parce qu'il y a des gens qui reviennent ou... Voilà, ou c'est par rapport à quelqu'un qui est amnésique. Hein. Bon, c'est par rapport aussi à des passeports et des documents administratifs et des déplacements. Voilà, pour Jean-Michel Basquiat, voilà, on fait l'inventaire de sa vie. Hein.
Et donc là, visiblement, on a un homme qui va marcher seul. Hein. Voilà. Un homme qui va marcher seul. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le passé, hein, il y a des gens autour de toi qui ont essayé de remplacer une personne par une autre. Hein. Et on te dit, à ton avis, est-ce qu'une personne peut remplacer une autre? Donc là, visiblement, tu as ta réponse. Ensuite, sur une femme, hein, guillemets, une personne, une impératrice, quelqu'un qui est très abondant, quelqu'un qui vient et qui s'oppose, hein, par rapport à des photos, par rapport à une chambre, par rapport aussi à une caméra. Voilà, après ça peut être aussi des réseaux sociaux, hein. Par rapport à un amateur de boxe, hein, bon ben là, alors t'as une copine, c'est un amateur de boxe aussi, hein, si t'es un homme. Pour d'autres, je veux dire, on s'oppose, voilà, c'est par rapport à quelqu'un qui ne voit rien, quelqu'un qui est dans le toucher, hein, visiblement. Alors il y a des gens, qui ont des gros problèmes de, on va dire, de pour les yeux, hein, moi c'est ce que je sens, hein, des gens qui sont dans des chambres noires. Et la lettre, bon là c'est par rapport à des actrices, hein. Ouais, on est dans le rejet et l'amertume, hein, par rapport à des actrices. Et on est très très embarrassé, c'est par rapport à un courrier sur une fille du passé. Voilà, quelqu'un qui vient et qui s'oppose, hein, visiblement, par rapport à des gens qui sont dans beaucoup d'addictions. Pour d'autres, il y a des gens, bon, qui ont joué, on peut dire, leur rôle. C'est par rapport, on peut dire, à des liquidités ou par rapport à de l'argent. C'est des gens qui n'avaient pas d'argent ou qui manquaient d'argent. Bon, visiblement, les actrices, hein, où on n'a rien vu, hein, c'est par rapport, on peut dire, à la bohème. Hein. La bohème, la musique de San Francisco, la guitare. Hein, on a joué, on peut dire, des personnages. Voilà, on s'est refait le plan des années 70, la jeunesse, les soirées sur la plage. Bon. Et la grosse trahison, ça a été sur, on peut dire, un signe de terre, sur un déplacement, sur un voyage ou sur une nouvelle terre. Et là visiblement, l'histoire, je veux dire, de la pute, ou une personne qui a fait la pute, enfin, je veux dire, ça, voilà, ça n'a pas fonctionné. Ou on a raconté, on peut dire, que quelqu'un de votre entourage était une... Voilà, était une bonne à tout faire dans votre lit. Bon, là visiblement, il y a des choses qui vont être remises au cordeau, hein, par rapport à de la trahison ou par rapport à de la duperie, hein, par rapport à une femme. Ouais, et pour d'autres, c'est par rapport aussi à des tableaux, hein. Bon, visiblement, il faut faire attention. Hein. On essaie de vous remettre, on peut dire, un scénario. Mais là, je sais pas, ça va pas marcher. Et donc, par rapport, on peut dire, à une nouvelle terre. Bon, là, visiblement, il y a un projet qui arrive. Mais je veux dire, dans l'histoire, t'as pas le libre arbitre. Hein, parce que tu ne crois pas en Dieu. Hein, et c'est pour ça que tu vois pas, on peut dire, qu'on est en train de te duper une fois de plus, sinon j'aurais pas le diable. Bon, alors faites attention s'il y a, y a quelqu'un, je veux dire, il a un problème avec un doigt. Hein. Ouais, je veux dire, si vous rencontrez un homme, il lui manque un doigt ou il a une attelle au doigt. Ou quelqu'un qui vous emmène à la montagne. Hein. Ah, visiblement, c'est pas terrible. Hein. Donc là, il va falloir choisir, on peut dire, dans le déplacement, la nouvelle voie. Voilà, ça va être l'engagement et le passage. Bon, vous avez intérêt à ouvrir l'œil, hein, parce que pour d'autres, on veut vous mettre dans une souricière. Et donc, on vous dit, tu as été trompé par ton orgueil. Donc là, dans la situation, il ne va pas falloir être dans les préjugés et dans l'orgueil. Que là, je sais pas, il y a un problème, hein, je veux dire, avec un doigt qui manque,
une histoire d'attel, un problème, hein, quelqu'un qui manque, hein, quelqu'un qui manque sur un arbre généalogique et transgénérationnel par rapport à des gens qui sont en flottaison, hein, là tu flottes, hein. Et donc là, dans la situation par rapport à une nouvelle voie ou par rapport à quelqu'un qui te parle, c'est un bouquet de roses, un cadeau de compréhension instantanée par rapport à quelqu'un qu'on a fait plonger dans le passé avec de la coque, hein, de la coque en stock. Pour d'autres, je veux dire, c'était Tintin et le Lotus bleu. Bon, ça va parler des gens. Voilà, bon là, visiblement, le cadeau de compréhension instantanée, ça va t'éviter, on peut dire, de passer tes vacances au sépulcre. Bon, pour d'autres, je sais pas, dans un déplacement ou dans un voyage, méfiez-vous parce que ça va être le chaos, la convalescence et la maladie, je veux dire, sur des petits gâteaux. Voilà, et puis, c'est par rapport toujours à des gens qui écrivent, hein, des écrivains, voilà, des gens qui sont dans leur nuée, hein, je veux dire, voilà, là, voilà, bon, là, visiblement, on va envoyer des mails, on va écrire, hein, on va écrire toute la mascarade de sa vie parce que, enfin, je veux dire, si tu es une femme, je veux dire, il a peur de te parler, hein, ouais. Il a peur de te parler de tout ce qui lui est arrivé. Hein. Et puis pour d'autres, je sais pas, vous avez un problème avec vos lunettes. Hein. Ouais, vous êtes dans le noir. Hein. Il y a un gros problème là. Hein. Ouais, je sais pas, il y a des gens. Ouais, ils ont besoin de toucher les objets, je veux dire, pour savoir que. Enfin, je sais pas, pour les reconnaître. Hein. C'est un truc comme ça. Hein. Des gens qui touchent les visages. Hein. Bon. Ouais, faire très attention. Alors, faites attention, les filles et les macros sont de sortie pour sécher vos économies. Voilà, donc ça c'est par rapport à Filippo Martinetti, hein, que je vous remontre. Hein. Si tu te retrouves dans Filippo Martinetti, enfin je veux dire, voilà, écoute, réfléchis bien. Hein. Hein, parce que là visiblement, t'as un acteur qui arrive, je veux dire, c'est Marlon Brando, hein, tramway nommé Désir. Hein. Sur un mec, je veux dire, qui a un kakémono aussi ou qui a des origines asiatiques. Hein. Voilà, où, je veux dire, on arrive avec des documents, je sais pas, et pour certains, je veux dire, c'est pour vous mettre au placard, hein, ou je veux dire, on va troquer ta maison contre une caravane. Je sais pas, un truc comme ça. Hein. Alors, on va voir le jour. Tu dessines des étoiles aux pieds, hein, des gens pour qu'ils s'envolent. Bon, là, visiblement, on a Filippo Martinetti, il va prendre son avion, il va partir. Voilà, après avoir été le dindon farci, après nous avons aussi une dinde, hein, une dinde qui est farcie. Hein. Alors ensuite, donc là nous avons Jean-Michel Basquiat qui a pris le mauvais chemin, visiblement avec un mauvais conseiller. Hein, ou je veux dire, tu t'es trompé. Donc toi tu es poursuivi aussi, hein, comme Filippo Martinetti. Tu es à la fin de la liste de tes ex, mais tu n'es pas le plan B. Donc, je veux dire, il y a quelqu'un qui arrive. Là, il y a une femme qui fait de la couture. Pour d'autres, je veux dire, c'est une femme blonde. Là, on est dans le rejet et l'amertume. Voilà, les gens ne sont pas des boulons pour te réparer. Donc, on peut dire que Jean-Michel Basquiat a fait toute la liste de ses ex. Je veux dire, par rapport à quelqu'un, je veux dire, qui est poursuivi. Hein. Donc là, tu fais l'inventaire de tes ex aussi. Et c'est par rapport à une promesse. La promesse, Aphrodite a son plan B pour partir. Il s'agit, on peut dire, d'une femme à l'esprit aiguisé. Il peut s'agir d'une veuve ou il peut s'agir d'une femme blonde. Donc là, ce que je peux dire, c'est que par rapport, on peut dire, à un homme, ou un homme métis, on a une femme qui a un plan, soit pour faire partir
une femme blonde, soit pour faire partir une femme africaine, métisse, voilà. Soit c'est un homme dans une relation homo. Là, on est en train de déguiser un plan. Moi, c'est ce que j'ai. Parce qu'on est dans le rejet et l'amertume sur le passé. Bon, il y a des gens, je veux dire, ils ont des gros courants d'air dans la tête. Et on veut faire partir une blonde, ça c'est clair, une fille qui peut habiter par exemple Marseille, Le Panier, ou une nana, enfin je veux dire, c'est les années 70 avec les paniers. Voilà, et par rapport à ça, c'est pour ça que tu as un homme dans ta vie, il le sait. C'est plutôt un acteur, un mec qui ressemble à Marlon Brando. Et il a peur de te parler, hein, parce que lui, il est entouré d'un monde d'égrégores, enfin je veux dire. C'est du gossip, je veux dire, à tous les étages et tout est faux. Quelqu'un qui est dans un panier, hein, je sais pas, il y a un truc comme ça. Quelqu'un qui est enfermé dans un truc. Hein. Et donc on a sorti, voilà, quelqu'un qui est habité par un être. Hein. C'est l'aérosol vert hein, pour peindre les yeux de l'espérance hein, sur des documents administratifs hein, et sur un déplacement. Ouais, et donc là, il y a une nana qui va arriver plus tard pour toi. C'est un aérosol rouge pour faire des cœurs sur les murs de ta vie. Hein. Visiblement, je veux dire, tu. Ouais. Mais, j'ai quand même, je veux dire, soit une femme méchante, soit une veuve, je veux dire, qui te bloque la sortie. Hein. Là. Ouais. Et bon, bah là, bon, les gens qui te bloquent, hein, si t'es Jean-Michel Basquiat, je veux dire, ils vont se voir des grosses sanctions. Ouais. Et bon, là c'est ça. Alors, j'ai plutôt un policier costaud qui reçoit une grosse sanction, ou je veux dire une femme méchante. Ouais. Ou un samouraï, hein. Mais bon, là, il y a un truc, il y a des gens qui reviennent. Hein. Donc là, on est avec Zhongguo, hein, le pays le plus peuplé du monde. Bon, l'Aphrodite a son plan B pour partir, hein, c'est par rapport, on peut dire, par rapport à la Chine. Hein, je veux dire, donc toi, ton ambition, je veux dire, c'est de partir. Et pour une femme blonde, ou pour une reine de coupe, ou pour une veuve, ça va être l'océan Pacifique, ou l'Himalaya, le Tangri-cha, ou le bassin du Tarim. Ça va parler à quelqu'un. Ouais. Ensuite, hein, sur des gens qui reviennent là. Donc, bah là, écoute, ton ex revient, hein, ou une personne que tu connais, hein, je veux dire Jean-Michel Basquiat. Tu te demandes s'il faut lui parler et comment lui parler. Hein. Tu ne connais pas sa langue ni sa culture. Hein. Donc là, on a quelqu'un, je veux dire, qui se pose des grosses questions. Ouais, là visiblement il y a des histoires aussi où il n'y a plus d'avion et plus de train. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un homme qui a le dessein d'épouser une femme et il rend un lieu habitable. Donc ça c'est par rapport à l'océan Pacifique aussi, hein, où je veux dire vous habitez au bord de la mer. Bon, et puis sinon, je veux dire, tu as un ex, je veux dire, qui est chinois, voilà. Tu te demandes s'il faut lui parler et comment lui parler, hein, je veux dire, dans quelle langue, hein. Ouais. Bon, parce que là, il y a des hommes, je veux dire, ils sont gouvernés par leur cœur, hein, enfin, je veux dire, ils ont lâché l'acteur studio, on peut dire, voilà. Alors, après, nous avons par rapport à une femme, hein, Guimel, hein, je vous montre, hein, alors, tu as peut-être une femme, je veux dire, dans ta vie, c'est un chameau. Hein. Quelqu'un d'incontrôlable, et puis pour d'autres, je veux dire, tu as ton ex, ou tous tes ex, je veux dire, tous tes mecs, je veux dire, te courent au cul. Hein. Voilà, des gens qui te laissent pas tranquille. Bon, là, pour d'autres, enfin, je sais pas, il y a des gens qui ont joué l'acteur studio, je veux dire, avec de la religion. Enfin, je sais pas, il y a eu un truc un peu bizarre.
Ouais, je veux dire, ils ont fait semblant par rapport, on peut dire, à une personne qui est plutôt naturelle ou, je veux dire, tu t'es déguisée en bohémienne, hein. Voilà, t'as joué l'actrice, je veux dire, avec ta boule de cristal. Donc, c'est par rapport, on peut dire, à un courrier, c'est par rapport à un homme isolé et solitaire. Il est bon d'attendre en silence hein, quand on est un chevreuil. Et donc, il y a un homme, on peut dire, dans un courrier qui se dit, c'est la meilleure. Bon, t'as, je veux dire, t'es un chasseur, je veux dire, t'as trouvé ta biche. C'est par rapport, on peut dire, toujours à une femme bonne, qui se conduit bien, qui fait le bien. Voilà, ou il peut s'agir aussi d'une personne enregistrée dans une généalogie. Hein, donc là, c'est plutôt par rapport à votre famille ou par rapport, on peut dire, à vos ancêtres, hein, puisque moi, j'ai quand même l'ange. L'ange, le kakémono, l'ange gardien et les 12 tableaux. Et là, visiblement, y a une femme qui plaît à un homme, ou je veux dire, il y a un homme qui quitte, voilà, qui quitte, on peut dire, des personnes qui le poursuivent. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, alors pour d'autres, vous quittez la trahison et la friponnerie, hein, avec les actrices. Ouais, je veux dire, t'as intérêt à attendre en silence, hein, parce que vu ce qu'il y a autour de toi, c'est pas terrible, hein. Si tu es un homme, alors ensuite, hein, donc avec Rimkulas, hein, quelqu'un, je veux dire, qui est chauve, hein, qui est chauve, qui a la tête à l'envers, quelqu'un qui peut avoir une attelle au doigt ou vous avez un problème à la main, quelqu'un qui peut être amateur de boxe, hein, quelqu'un qui peut regarder aussi les réseaux de télécommunications. Bon, là, visiblement, il y a un projet qui arrive hein, par rapport, on peut dire, à un signe de terre ou par rapport à une nouvelle terre. Voilà, des gens qui n'étaient pas dans le libre arbitre, on t'a pas donné le libre arbitre, on peut dire, dans une situation, et là, tu reçois un cadeau de compréhension instantanée. Donc, l'utilité, ce qui arrive, c'est un renversement d'alliances et des coalitions. Il s'agit d'idéologies conservatrices et hostiles. Il s'agit de personnes qui te racontent des salades. Hein. Donc après, il y aura la signature, on peut dire, de documents ou de traités. La peine ne durera que 5 ans. C'est par rapport à la Volga ou à des artisans, des gens, on peut dire, qui font des choses avec leurs mains. Et il peut s'agir aussi de savants ou de sachants. Ou de personnes, on peut dire, en Occident. Donc, la grosse du prix, ça va être le renversement d'alliances ou les coalitions. Donc là, je veux dire, t'es autour, on peut dire, de plusieurs personnes hein, qui te poursuivent. Voilà. Donc là, on peut dire que... T'as un homme, je veux dire, qui est chauve, je veux dire, c'est le traître. Hein, par rapport à une femme, je veux dire, qui a beaucoup d'abondance. Voilà. Donc ça brûle. Hein, il est avec J. Hein, alors ça peut être Jim. Hein, Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. Donc c'est Chine. On ne sait pas où l'on va. Donc là, visiblement, on a perdu de l'argent. Et on cherche quelqu'un. Hein, donc là, il y a des grosses questions. Pour savoir où est la personne, hein. Est-il ici, hein? Voilà, quelqu'un visiblement qui se gèle, qui se pèle à la montagne, hein, en altitude, hein. Ouais. Bon, visiblement pour d'autres, je veux dire, enfin, je sais pas, vous avez la nouvelle voie, ça valide d'aller en altitude, hein, ou d'aller à la montagne, ou hein, voilà. Bon, la compréhension instantanée, c'est par rapport à un voyage, hein. Voilà, des gens qui sont dans l'orgueil, je veux dire, qui n'ont rien vu. Voilà, et donc dans le futur, ça va être deux personnes, on peut dire, qui vont être attachées ensemble. Voilà, ça va être une grosse surprise, visiblement, sur une liaison, sur un dagesh, par rapport à un jugement. Et pour d'autres, dans le passé, je veux dire, vous étiez peut-être attaché à un homme ou une femme. Et je veux dire, bah, t'as le jugement, là. Le jugement, ça a été une illusion. Et là, ça brûle, hein. Je veux dire,
Il y a des gens, ils font des gorges chaudes où, je veux dire, tu es en train de t'étrangler tellement, tellement tu hurles. Hein. Je sais pas, il y a quelqu'un qui hurle. Hein. On ne sait pas où il est. C'est par rapport à des tableaux ou c'est par rapport à des œuvres d'art. Des gens ont fait croire qu'il est là, mais il n'est pas là. On fait croire qu'il est à un endroit, mais il n'est pas à un endroit. Donc là, visiblement, bah, ça brûle avec, je veux dire, des gens qui sont contre toi. Voilà. Une solution arrive pour toi. Visiblement, dans un voyage ou dans un déplacement où tu déménages. Mais là, il ne va pas falloir être dans l'orgueil, hein, mes amis. Hein. Moi, je vous le dis, hein, parce que le truc, la solution qui arrive pour toi, enfin, je veux dire, c'est le diable. Hein. Voilà, c'est la pute en cuissarde. Et je veux dire, si tu vois... Hein, c'est pour ça qu'il faut bien regarder les gens, hein, ce que je vous avais dit hier. Voilà, tu es dans le brouillard et je veux dire, ce qui arrive, c'est le malheur et la sorcellerie. Hein. Enfin, je veux dire, on essaie de... Le passage et l'engagement, je veux dire, c'est une nana qui n'est pas très claire. Hein, si vous êtes un homme, hein, ou sinon, enfin, je veux dire, c'est un homme qui est âgé, qui est brun ou qui est chauve. Hein, voilà. Hein, le mec, il dit, ouais, j'ai une super solution pour toi. Je veux dire, c'est pour te mettre dedans. Hein. Ouais, c'est pour te voler. Hein. Et pour d'autres, je veux dire, si t'es blonde, je veux dire, si t'as du lourd chez toi, je veux dire, t'as intérêt à faire attention aux gens qui se déguisent et qui rentrent chez toi, qui se font passer pour une société électrique. Hein. Parce que là, ils vont te radier, je veux dire, tes 12 tableaux. Hein. Voilà, et ben, je veux dire, Rimkoulas, c'est un homme assoiffé, hein, assoiffé d'argent et de pouvoir. Bon là, visiblement, il a des problèmes de liquidité. Hein. La grosse baleine, là, je veux dire, elle est à l'envers. Et c'est des personnes qui sont liées, on peut dire, à des, voilà, à des dépendances de toutes sortes. La coke, le sexe. Bon, visiblement, je veux dire ça. Et là, la solution qui arrive, hein, je veux dire, c'est le malheur. Hein. Donc... Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des gens qui sortent les tambours et les castagnettes pour éviter que quelqu'un prenne une décision sentimentale. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, à Jean-Michel Basquiat. Hein, visiblement, on ne veut pas que, on veut pas que tu vois la vérité autour de toi. Hein, donc voilà. Ou c'est par rapport à Filippo Martinetti. Hein, je veux dire, là, toi, on te sort les castagnettes. Je veux dire, pour bien te mettre dans un piège, hein, le malheur et la sorcellerie. Hein. Voilà, et puis pour d'autres, je veux dire, on a sorti la coke. Hein. Ouais, les castagnettes et les tambours, pour certains, c'est coke en stock. Hein. Ok. Donc, on vous dit, la roche tarpéienne est proche du Capitole par rapport à conquérir la ville grâce à la trahison. Voilà, donc là, visiblement, bah, il faut se préserver. Hein. La colline et le bouclier... Donc, c'est par rapport à des choses dans le passé où des gens se sont jetés du rocher. Alors, tu t'es... Il y a des gens qui vont jeter d'un rocher ou vous allez vous jeter dans une situation. Il s'agit d'émigration aussi. Voilà, de nombreux citoyens, visiblement, vont revenir chez eux. Hein. Tu as poussé les portes de l'enfer et tes illusions sont tombées en poussière. Donc là, il y a des personnes par rapport à ça qui reçoivent des messages. Quelqu'un ne veut plus être séparé des personnes qu'il aime. On fait le tour de la ville et de l'entourage. Tu as un clavier crypté. Tu avances masqué pour la surveiller. Donc si vous êtes une femme ou un homme, vous êtes surveillé. Et... Et là, visiblement, dans le passé, il y a eu de la bouderie ou de la boucherie ou de la moquerie sur de la généalogie, hein, puisque cette carte est inversée. Voilà, il faut être soi-même et devenir sage. C'est pour ça que j'ai la tempérance. Par rapport à des gens, je veux dire, qui ont l'espionnite aiguë. Hein.
des écrits, des mails, je veux dire, voilà, bon. Alors, je continue sur mes petits messages. Donc, faites attention, les filles et les macros sont sortis hein, pour sécher vos économies. Hein. Ça va être le message, visiblement, de la vidéo. Hein. Donc là, visiblement, il y a des personnes, je veux dire, ils ont intérêt à s'envoler. Hein, s'ils veulent pas finir en dinde ou en dindon farci. Donc, si tu es Filippo Martinetti... Hein, là, toi, tu as un nouveau regard sur la nudité. Hein. Bon, là, visiblement, je ne sais pas, il y a un problème avec des gens qui ont des problèmes de vue. Hein. Vous ne voyez plus rien, vous êtes aveugle, hein. Vous avez un truc. Donc, ne reviens pas. Tu vas te faire un torticolis. Rien ne s'efface sur le film. On ne rembourse pas le passé. Donc là, visiblement, il y a un homme qui ne revient pas sur, on peut dire, les filles et les macros. Voilà. Tu ne reviens pas sur toutes les ex. Ou, je veux dire, c'est quelqu'un qui a ses ex aux fesses. Hein. Filippo Martinetti, bon, quelqu'un qui est poursuivi par ses ex. Hein. Je veux dire, elle le poursuit. Donc, bon, tu dessines des étoiles aux pieds pour des gens qui veulent s'envoler ou des gens qui vont s'envoler. Hein. C'est par rapport à des artistes aussi. Hein. Ça va être la grosse réussite. Et c'est par rapport à un enfant brun et une fille brune qui retrouve le chemin de la sagesse grâce à une impératrice. Ok. Et grâce au Bouddha, la Chine impériale descend. Tapis rouge pour une réconciliation des îles. L'impératrice se réconcilie avec ses enfants. Alors, pour d'autres, vous allez vous réconcilier avec vos enfants. Voilà. Entre un enfant brun et une fille brune. Alors, vous êtes peut-être aussi une mère ou une grand-mère. Par rapport à un enfant brun, ça peut être ça aussi. Ensuite. Bon, là, vraisemblablement, Filippo Martinetti, tu habiteras tranquillement avec une personne que tu trouveras. Quand tout sera terminé, tu comprendras. Ouais, bon, c'est lié à des enfants, hein, la réconciliation avec des enfants ou des membres de votre famille. Et là, visiblement, il y a une personne autour de toi qui s'efforce de ressembler à quelqu'un d'autre. Bon, là, visiblement, par rapport à cela, tu seras délivré de ta faute. Hein, des gens qui se sont trompés, je veux dire, t'as pris une nana pour une autre ou un mec pour un autre, tu t'es planté. Voilà. Bon, là, visiblement, nous avons quelqu'un qui a du mal à parler ou qui a peur de parler. Bon, là, visiblement, sur des gens qui étaient dans l'ambition, hein, voilà, des gens qui sont poursuivis aussi. Avec Jean-Michel Basquiat, visiblement, qui met les enseignements ou les informations inversées. Hein. Bon, là, visiblement, c'est par rapport à une femme qui a un plan B. Hein. Bah écoute, je veux te dire, si tu es une femme et si tu as un plan B, un esprit aiguisé, plutôt une blonde, parce que je suis sur la ligne là, tu fais de ta vie une exception française. Ouais, c'est ça. Bon, là, visiblement, nul n'est prophète en son pays. Des gens t'accueillent à bras ouverts quand d'autres te jettent des pierres. Bon, là, vraisemblablement, on va être accueilli par rapport à l'océan Pacifique, l'Himalaya, le Tangricha et le bassin du Tarim. Par rapport à des gens, je sais pas, ils font de l'artisanat. Hein. Ouais. Donc là, je veux dire, le plan B, ça va être l'exception française. Hein. Pour d'autres, par rapport à des gens qui font de la couture. Hein. Ouais, là, visiblement, il y a des gens qui vont... je sais pas, ils... vont partir. Moi, j'ai le navire, j'ai les voyages, j'ai tout ça. Donc là, vraisemblablement, vous êtes entouré, on peut dire, d'un monde d'égrégores. Hein, des gens te raillent pour un accord ou une alliance ou une décision sentimentale.
Bon là, visiblement, ça va être l'exception, hein, un projet international entre deux personnes. Ensuite, des gens qui font l'inventaire, hein, des gens qui vont se promettre des trucs. Ouais, tu sais pas comment faire avec ta copine, là, visiblement. Tu te demandes s'il faut lui parler ou comment lui parler. Après, c'est par rapport aussi à une veuve ou par rapport à une femme blonde, hein. Ouais, je veux dire une personne qui a des origines africaines. Alors, moi, je sais pas. Après, il va y avoir des mariages, hein, ou voilà. Mais là, je veux dire, il va pas falloir se tromper. Je veux dire, au niveau du, ouais, au niveau de l'aiguillage. Hein. Tu vas bientôt comprendre les guilgoules que tu as reproduits pour être libre. Bon, il fallait que tu passes par tout ça pour comprendre et pour te libérer. Voilà, des gens qui reçoivent des sanctions aussi. Par rapport à un policier costaud ou par rapport à un samouraï. Bon là, l'histoire de la lettre ou du courrier ou des mails, c'est par rapport à des actrices. C'est où c'est par rapport à des gens, je veux dire, des gens qui font semblant. Hein, c'est l'acteur studio dans les relations sentimentales. Ou des gens qui ont pris l'apparence, on peut dire, d'une bohémienne. Ou des gens qui ont fait semblant, on peut dire, d'être clairvoyants. Par rapport à un homme isolé et solitaire, quelqu'un qui attend, hein, qui attend en silence. Quand on est un chevreuil, c'est la meilleure. Donc là, visiblement, par rapport, on peut dire, à une femme, si vous êtes un homme, tu vas avoir un gros éclat de rire devant le même scénario pour te remettre dedans. Hein. Un homme isolé et solitaire va avoir un gros éclat de rire. Voilà, là on va te rejouer la Bohème et San Francisco pour d'autres. Ouais, des gens qui se conduisent pas bien, enfin des gens qui font semblant. Et là, je veux dire, un homme va avoir. Tu vas exploser de rire, tu vas dire, ils ont vraiment pas de goût, hein. Ouais. Donc là, tu reçois un smile, un ange te sourit, la vie est plus douce pour t'apprendre à être plus doux avec toi-même. Bon, visiblement, dans le futur, la vie sera plus tendre avec une femme bonne. Bon, mais là, on est plutôt, on peut dire, je veux dire, là, t'exploses de rire, hein, tu dis, voilà. Bon. Et le gros éclat de rire aussi, c'est par rapport, on peut dire, aux brillants, hein, des gens brillants, le blanc éclatant, voilà, donc on va avoir un gros éclaircissement, hein, voilà, visiblement, sur, je veux dire, de la liquidité, hein, voilà, il s'agit de migration aussi, conduite par un loup, un animal sacré, c'est les marches, c'est le cerf, c'est les ours, c'est les mars. Le Rieti, hein, le Latium pour les personnes d'origine, on peut dire italienne, et les aborigènes pour les Australiens. Le Christ est sur ton chemin, tu seras jugé sur ce que tu es capable de lâcher. Donc là, visiblement, il y a des gens qui vont devenir brillants. Hein, voilà. Brillants pour contourner, je veux dire. Un gros problème, un gros renversement d'alliance, hein, pour d'autres. Je veux dire, on essaye de vous mettre tous en dessous. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des gens, je veux dire, dans leur vie, ils sont une idéologie conservatrice, hein, des gens qui sont très hostiles, hein, des gens qui veulent défaire, on peut dire, des projets. Et là, je veux dire, ça crame. Hein. Bon là, visiblement, je sais pas, il y a des gens qui ont des écouteurs sur les oreilles par rapport à quelqu'un que l'on cherche. Hein. Là, je sais pas, on est en train d'écouter des gens par rapport à quelqu'un qu'on cherche. Là, visiblement, Rinkoulas, je sais pas, Rinkoulas cherche une femme, hein, je veux dire, ou je veux dire, tu cherches un homme. Hein. Ouais, là, visiblement, bon, ça brûle, hein. Par rapport à des pertes d'argent, hein, je veux dire, tu cherches ton compte en banque. Hein. Ouais, il y a des gens qui ont plus d'argent là.
On cherche quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de se peler à la montagne, hein, ou en altitude. Hein. Ouais. Bon, méfie-toi. Je veux dire, la personne qui arrive, elle est assoiffée. Hein. Ouais. Bon, tu reçois un bouquet de roses, on peut dire, de la Vierge Marie. Hein. Un gros cadeau, je veux dire, sur des gens, je veux dire, qui sont extrêmement néfastes. Voilà, tu reçois des messages d'un lion. Ouais. Donc là, tu vas recevoir, on peut dire, les messages de ton ange gardien. Parce que je suis sous l'ange gardien. Ou d'une femme. Elle est ici et ailleurs. Elle est dans deux mondes. Alors, c'est peut-être, je veux dire... c'est peut-être un membre décédé de ta famille. Et c'est par rapport au désert. Hein. Par rapport à l'Arctique, par rapport à l'Antarctique et par rapport au Sahara. Des oiseaux se posent sur une branche. Tu reçois des messages d'un lion. Par rapport à quelqu'un qui est assoiffé. Hein, qui a, sa vie est très très aride. Hein. Bon, pour d'autres, c'est, vous avez un problème de facture électrique. Hein. Donc là, dans une situation avec un clavier crypté, hein, tu es percuté par Rouge Baiser. Hein. Voilà, des gens, on peut dire, qui sont plutôt dans la révolution. Hein, Rouge Baiser et les partisans, la révolution et les gilets jaunes. Hein. Sur des écrits, des mails, des écrivains, voilà. Des gens qui mettent le feu aux poudres et qui réduisent, je veux dire, tes espoirs à néant. Et là, il n'y a pas de retour en arrière. Bon, là, visiblement, il y a une femme qui s'est acheté un nounours. Hein, c'est Cajoline et Lavomatique. Hein, visiblement, c'est pour nettoyer du monde. Voilà, donc on te demande de ne pas mettre une personne sur un piédestal et de comprendre où est ton niveau de foutage de gueule. Voilà, donc ça, c'est Laura Benchetrit. Hein, je cite, hein, bien sûr. Voilà, et donc, plus tard, tu vas rencontrer une femme d'une grande beauté. Mais là, ce qui arrive, c'est... C'est pas une colombe, hein. Ouais, là, bon. Là, visiblement, c'est vraiment pour contourner, on peut dire, quelque chose qui est assez néfaste. Ouais, voilà. Écoutez, là, je veux dire, c'est pas la chambre de la guérison, hein, là, visiblement. Je veux dire, c'est plutôt la chambre, je veux dire, pour te mettre, je veux dire... Alors, je sais pas, il y a un truc de mascarade aussi. Et pour d'autres, c'est par rapport à des céréales. Enfin, je sais pas, il y a des problèmes. Des problèmes avec du blé, hein, là, visiblement. Alors. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui est dans un endroit. Là, je veux dire, c'est pour t'assécher, c'est pour t'assoiffer. Hein. Par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, des gens qui sont à fond dans la coke. Hein. Ouais, je veux dire, il y a quelque chose de pas normal, là, en fait. Moi, c'est ce que je sens. Après, je peux pas... Mais je veux dire, on cherche quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un qui est pas là, ou on dit qu'il est là, mais il est pas là. Et je veux dire, c'est des choses qui sont arrivées dans le passé aussi. Ouais. Donc là, c'est dans moins de 3 jours. Où, et dans moins de 3 jours, on va avoir clair dans une situation par rapport à quelqu'un qu'on est en train de refroidir ou quelqu'un qui a froid, quelqu'un qui est malade. Et donc, c'est des personnes, on peut dire, qui mettent beaucoup de masques. Parce que moi, ce que je sens, c'est une personne, on peut dire, qui n'est pas... qui est plus dans les dépendances puisqu'il en a fait la promesse. Mais là, il y a des personnes, on peut dire, qui ont joué, on peut dire, des rôles autour d'une personne hein, qui est amateur de boxe. Et là, je vais vous dire, ça va se voir, hein, mes amis. Hein. Dans moins de 3 heures ou dans 3 jours. Hein. Ok? Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.